De retour sur le plateau de Baxit, bonsoir. À vous... <laughs> Très heureux de vous retrouver pour cette deuxième partie de l'émission. Chers amis, cette semaine, comme chaque semaine, nous avons le plaisir de recevoir un invité politique de premier plan. Cette semaine, nous recevons sur le plateau de Baxit en direct le candidat du Parti communiste français, Fabien Roussel. Ouais. Bonsoir. Bonsoir Fabien Roussel. Comment allez-vous Super bien. Je suis très content d'être avec vous. Merci pour l'invitation. Eh bien ravi de vous accueillir. Merci d'avoir accepté euh, cette invitation. Fabien Roussel, vous êtes, je le disais, voilà le candidat à l'élection présidentielle de 2022 pour le Parti communiste français. Qu'est-ce qui vous a décidé à vous présenter cette fois-ci, alors que les deux fois précédentes vous aviez fait alliance avec Jean-Luc Mélenchon la, la crise dans laquelle on est, euh, la crise sanitaire, économique, sociale. Cette crise, en fait, elle a mis euh, un gros projecteur sur la France et en fait des difficultés qui se sont accumulées au fil des ans avec ce système économique que nous on appelle le capitalisme, parce qu'il faut lui donner un nom, qui a considérablement affaibli nos services publics, désindustrialisé le pays, mis à mal notre souveraineté économique, mais en matière de médicaments, en matière énergétique, dans plein de domaines, et donc il y a besoin pour réparer la France. Pour répondre aux urgences sociales et aux urgences écologiques, il y a besoin de sortir de ce système économique et de remettre nos richesses au service de l'être humain et de la planète. Voilà en quelques mots. Et ça, on ne le fera pas avec des demi-mesures. On ne le fera pas en s'accommodant du système tel qu'il est aujourd'hui. On ne le fera pas en restant dans les traités européens. Il faut véritablement reprendre le pouvoir à la finance. Aux banques euh, aux multinationales il faut produire les richesses autrement donc et ça, ça faut passe... investir les usines le monde du travail c'est pas seulement redistribuer les richesses c'est produire autrement donc c'est euh, participer à la production de ces richesses en faisant en sorte de d'arrêter d'épuiser les êtres humains mais d'épuiser aussi la planète les ressources naturelles la biodiversité et ça ça passe par une candidature nécessaire ben, ça passe par euh, faut qu'on s'en mêle quoi il faut que nous nous emmêlions. Il faut que vous, tous. Vous on avez toujours mêlé, Vous, le Parti communiste, vous avez oui, toujours mêlé ces questions-là. Euh, il faut une irruption populaire. Il faut véritablement reprendre le pouvoir à cette oligarchie qui dirige tout depuis plusieurs années, de gauche comme de droite, je dirais. Vous incluez Jean-Luc qui... Mélenchon là-dedans non, je pense. Euh, euh, à ces, 15 derniers, ouais, ces 15 dernières années euh, du quinquennat. C est, c est 15, ces trois derniers quinquennats, en gros, pour mmh. pourrais remonter plus Pendant loin. Pendant lesquels il n'y avait pas de, de mais, candidats, d'ailleurs, euh, du Parti communiste. Non, mais les gouvernements qui ont euh, euh, dirigé le pays, il euh, y a eu les socialistes et les verts qui ont dirigé un temps, euh, 2012-2017. Euh, il euh, y a eu la droite euh, sous Sarkozy, là sous Macron. Tout ça a considérablement affaibli le pays. Et cette crise a véritablement montré euh, nos difficultés et, et combien c'était plus difficile de surmonter euh, une pandémie telle qu'on l'a vécue, telle qu'on la qu vit. Et donc, euh, pour réparer cette France, il faut qu'on qu reprenne le pouvoir. Dans le sens noble du terme. Oui, et nous, je, je pas, nous bien, euh, les communistes, c'est -ce, le monde du travail. Qu'est-ce qui a fait que aux pendant euh, les deux dernières élections, vous avez décidé finalement de faire euh, front commun derrière Jean-Luc Mélenchon, et que là, pour celle-ci, vous décidez finalement, 15 ouais. ans après, 15 ans après avoir déserté la, 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 la campagne présidentielle, le Parti communiste français décide d'avoir un nouveau candidat Parce que euh, la profondeur de cette crise donc appelle des réponses fortes. Euh, qui euh, permettent de répondre aux urgences et de s'adresser euh, aux classes populaires, aux familles, au monde du travail. Et nous avons décidé de nous y investir dans cette campagne en portant un projet euh, qui est différent de ceux des autres forces et différent aussi de celui qui est porté par Jean-Luc Mélenchon. Et donc euh, nous voulons, euh, à, donc, sur, la base de, voilà. sur la base de nos idées, je vais venir sur ces différences, mais... Sur la base de ce projet, de ce pacte que nous proposons aux Français, que je propose aux Français, aux présidentielles et aux législatives, c'est d'aller convaincre des électeurs qui se sont détournés de la gauche, qui sont dans l'abstention, voire des fois, bon, mais surtout aux abstentionnistes, reconstruire. Euh, une force à gauche authentique, sincère, euh, anticapitaliste, euh, mais aussi euh, pour euh, attacher à une république sociale et laïque, et donc euh, reconstruire cette gauche-là. Nous, le Parti communiste français, on veut laïque. C'est ça tout... la, la ligne de non, c'est république sociale, laïque, féministe, écologiste, démocratique. Mais c'est pour reprendre les termes de Jaurès, et qui euh, rassemble bien tout ce qu'il y avait dans Jaurès quand il disait euh, la république laïque et sociale, sociale et laïque. Mmh. Et donc euh, 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 je, je, donc, j'ai fait le choix de me démarquer euh, en prenant des positions dont on parle beaucoup d'ailleurs, notamment là, reparler, sur, le, sur, mmh. le, sur le nucléaire, par exemple, sur l'énergie en tant que telle et, et sur le nucléaire en particulier. Et donc, euh, euh, ce ne sont pas des petits sujets quand même, surtout donc, quand -ce on -ce parle du pouvoir d'achat. Est-ce est qu'il y a des électeurs euh, qui voilà. vous disent euh, est-ce qu'il y a des électeurs qui disent euh, moi, je, moi je vote pour ce camp-là Si c'est toi Fabien, je vote. Si c'est Jean-Luc, c'est sans moi il y en a qui vous disent euh, :« Je veux un vote communiste. Je, » je, 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 moi, je, je souhaite le plus possible éviter euh, que euh, je, je n'ai pas envie d'aller dans cette campagne en parlant des autres et en pointant du doigt euh, celui qui à gauche, euh, euh, voilà. De, bon, euh, j'essaye, je souhaite mener le plus possible une campagne bienveillante sur la base des propositions que nous nous faisons pourquoi nous les faisons et, et, et en, en essayant de convaincre le plus possible et en, et en faisant confiance euh, aux gens euh, j'entends des gens qui me disent euh, des électeurs des gens qui me disent euh, moi je, je voterai plus pour un tel je voterai plus pour pour, 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 pour tel parti et donc euh, je sens bien que à, à gauche il y a, il y a une attente de toute façon quand vous additionnez l'ensemble des candidatures de gauche aujourd'hui que vous voyez que ça fait euh, 25 27% tout mouillé euh, c'est terrible. Parce que jamais, jamais, euh, euh, jamais il sera possible de l'emporter euh, en restant à, à, à ce niveau-là. Jamais. C'est -ce pas est -ce possible. Il possible. Ou alors c'est un, est un hold-up. Est-ce qu'il sera possible de l'emporter avec plus de 5 ou 6 candidatures différentes à gauche oui, parce que Macron il l'a fait le hold up sans état d'âme, ouais, c'est un, un vrai hold up, mais on en a parlé comme ça, mmh. ouais, on parce en que comme parce que, oui, que gagner. Mais, enfin, mais en cinq ans, il a transformé le pays dans le sens des intérêts de la bourgeoisie, etc. Mais un complètement, mais s'il est bien utilisé derrière, mais, mais complètement, mais ça oui, a été pas. dit. On l'a dit à, à de nombreuses voix euh, euh, à gauche d'ailleurs, et même dans le mouvement social, ça a été dit que quand même, comment ça se fait que dans, dans notre pays, cette entre guillemets, dans cette démocratie aujourd'hui, l'élection présidentielle, c'est être qualifié au second tour avec 20% des voix et puis compter sur un barrage contre le Front National et ensuite faire une politique comme si on était champion du monde, alors que c'est pas vrai. Et c'est ça que je, 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 je regrette profondément. Ça, pour moi, une élection présidentielle. C'est un projet qu'on doit euh, promouvoir, un projet de société qui doit susciter l'adhésion d'une majorité de citoyens pour pouvoir le mettre en œuvre. Il faudrait changer les institutions oui, faudrait, euh, oui, profondément. Sixième République Sixième République, euh, plus de pouvoir aux salariés, transformer, euh, re, euh, découpler présidentielle législative, voire voire arrêter une présidentielle, un présidentialisme tel que nous le vivons dans notre pays et redonner le pouvoir au peuple via une, une ça, institution qui est le parlement. Euh, D'ailleurs, je rappelle que, euh, que vous êtes parlementaire, vous êtes vous êtes député du Nord et vous siégez à l'Assemblée nationale et euh, pas dans le même groupe que les Insoumis. D'ailleurs, il y a un groupe GDR. Nous euh, avons deux groupes. Vous avez deux groupes, vous, oui, non, qui ont des combats communs. D'ailleurs, nous, nous vivons très bien. Nous ce sommes matin, différents, euh, ce quoi. matin sur France Info, Alexis Corbière de la France Insoumise, justement, un de vos collègues députés, euh, vous demande formellement de rejoindre euh, la France Insoumise et la candidature de Jean-Yves Mélenchon. Qu'est-ce que vous lui répondez ce soir ben, Je réponds que euh, d'abord, nous avons nous aussi lancé un appel. Ça va bien finir par se rejoindre. Euh... <laughs> on espère. À, 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 se, à se retrouver sur des idées. Mmh. Et sur des idées dont on pense, nous, qu'elles sont importantes pour pouvoir euh, aujourd'hui euh, transformer profondément la France. Et, euh, et c'est là-dessus qu'on doit se retrouver d'abord. Il y a des élections présidentielles, il y a des élections législatives et, euh, et il y a des sujets importants qui sont débattus en ce moment et on ne peut pas être sur des, des appels au rassemblement en disant euh, « tous derrière moi » et « tiens, tu signes en bas puis, et ça roule ma poule ». Je pense que euh, le, 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 les difficultés dans lesquelles euh, est la France méritent qu'on euh, on, s'attaque à, à transformer profondément notre pays. À ce on, de, on, vous savez, moi j'ai été marqué par le, le discours de François Hollande qui avait dit euh, mon ennemi c'est la, la finance. Et puis derrière, il a tout fait pour la finance. Et sa phrase c'était mon ennemi c'est la finance. Et, et, et à la fin de sa phrase, il disait Mais il n'a pas de visage, euh, etc. Et pourtant, et, le gouvernement. Et, et, et pourtant, la finance, elle, elle a un visage. J'ai les noms, j'ai les adresses, et moi, c'est à eux que je vais reprendre le pouvoir Donc, très concrètement, euh, Fabien Roussel, euh, là ici vous êtes sur Backseat, vous êtes dans une émission qui est principalement regardée par des jeunes qui n'ont pas vu de candidat du PCF depuis voilà, plusieurs années à une élection présidentielle. Qu'est-ce qui, très concrètement, parce qu'on n'a pas répondu foncièrement à la question, vous différencie aujourd'hui de la ligne de Jean-Luc Mélenchon et de sa gauche radicale eh bien, euh, le Parti communiste français, dans son histoire, a été, donc, pour ceux qui nous regardent et qui n'ont jamais eu l'occasion d'écouter de, ou d'entendre un candidat communiste, a été un, un, parti, un grand parti de rassemblement, surtout dans les heures les plus difficiles qu'a connu la France. Quand je dis un parti de rassemblement, c'est que dans nos gènes, dans nos manières de faire, euh, nous avons toujours fait pour rassembler largement les Français sans. Euh, euh, sans tenir compte euh, au préalable de leurs étiquettes, euh, de ce qu'ils avaient pu voter, sans leur demander « ralliez-vous derrière nous et, et tout ira bien ». C'est une des différences fortes que nous avons par exemple avec euh, la France insoumise, que j'ai avec Jean-Luc Mélenchon, je l'ai écrit d'ailleurs dans mon livre, parce que si nous, nous avions euh, fait 19% au lendemain des élections présidentielles, comme lui l'a fait, nous aurions tout de suite créé les conditions d'un rassemblement très large à gauche avec les autres forces de gauche pour construire une alternative à gauche, une opposition à gauche. J'ai regretté, mais je l'ai dit, je lui ai dit, j'ai regretté que Jean-Luc, lui, ait dit, euh, l'opposition, c'est moi, euh, l'opposition, c'est la France insoumise, et, euh, et, 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 et je travaille seul. Vous... Et c'est extrêmement regrettable. Ensuite, il a, pris des, il a pris des positions que nous ne partageons pas. Le nucléaire, par exemple c'est un gros sujet. C'est un gros sujet parce que ça touche au climat, mais ça touche aussi au pouvoir d'achat. Ça touche au pouvoir d'achat des familles, mais c'est important aussi pour la ré réindustrialisation de la France avec une énergie décarbonée. Nous allons avoir besoin d'électricité décarbonée pour pouvoir reconstruire le pays, brancher les voitures électriques, euh, fournir de l'énergie à nos aciéries pour faire de l'acier vert. Euh, ça existe, et donc on a besoin de cette électricité nucléaire. C'est comme ça, c'est tout le monde le dit, et donc dire que l'on peut s'en passer, c'est une erreur forte, et d'ailleurs, ça risque de coûter cher au ménage et ça il faut pas mentir là-dessus on ne peut pas c'est pour ça que là c'est un gros bug quoi qu'on entre nous c'est pas possible vous avez rappelé vous avez rappelé l'identité historique du parti communiste il se trouve que Usul tu es communiste tu l'as dit dans une vidéo il y a plusieurs années ouais ouais et justement qu'est-ce qui aujourd'hui qu'est-ce que tu as envie de dire au secrétaire général du parti communiste français candidat à la présidentielle voilà, aujourd'hui, c'est quoi le parti communiste euh, Est-ce que c'est encore le parti du communisme Qu'est-ce qu'on qu qu prépare derrière Là, on a l'impression que c'est une candidature, je veux dire, d'un regard extérieur, on a l'impression que c'est une candidature qui part vers euh, un truc de témoignage, un truc, ou alors un truc pour préparer l'échec, euh, euh, comme un Hidalgo. Voilà, on prépare l'échec, on sait qu'on va perdre, on y va gaiement, et puis derrière, il y a la législative, il faut sauvegarder, je ne sais pas, le groupe parlementaire. Euh, je crois que le, les communistes ont encore un groupe sénatorial. Donc on a l'impression qu'aujourd'hui, le parti communiste, est devenu le parti des élus communistes. Qui veut survivre Parce que bon, toute institution veut survivre, c'est sa fonction première, déjà d'essayer de survivre. Mais euh, qu'est-ce qu'elle porte Qu'est-ce que qu'est-ce que vous portez aujourd'hui Et euh, c'est désespérant pour des gens de gauche de se dire euh, mais il est où le projet Il est où le projet pour gagner Il est où la stratégie On n'a même pas l'impression qu'il y a une stratégie. Je vais vous je vais vous je vais vous répondre par un, un témoignage, hum. euh, plusieurs témoignages. J'habite dans le Nord, je suis député d'une circonscription très populaire dans le Nord, dans le bassin minier, dans le Valenciennois. Je suis élu à Saint-Amand-les-Eaux. Et euh, le week-end, je suis très présent sur le terrain, je rencontre beaucoup de monde, beaucoup de monde. Les banquets, les assemblées générales, les troquets. Euh, voilà. J'ai été, euh, je suis interpellé, sous, sous l'angle que vous venez de le dire. On me le dit ça, je réponds à ça, directement. Ah, J'ai dit d'accord, qu'est-ce que je fais alors je vais euh, derrière Jean-Luc Mélenchon Ah non, 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 non nous c'est fini, on votera plus jamais pour lui. Je sais pas s'ils vous voteront plus non. jamais pour lui. C'est le, le dernier candidat soutenu écoutez, par le co Parti écoutez, communiste qui a dépassé vais, les, les 19 Non mais c'est pas, pas que ça. C'est pas que ça. Je dis, je vais, alors qu'est-ce que je vais derrière Jean-Luc Mélenchon Ah non, plus jamais. C'est fini. La République, c'est moi, c'est terminé. Alors, bon, je, je vais derrière qui Anne Hidalgo Ah non, 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 la parisienne, non. Ah bah là, on moi, en veut voilà, pas. Là, je suis d'accord avec eux, ceux-là. Mais... Bon, <laughs> bah alors que... il me reste quoi Je dis Jadot Alors, les Verts, ça va. Mais, mais moi, j'ai oui, aussi mais... entendu des gens qui m'ont dit mais Fabien mais... Roussel, ça va. Il est allé à la, oui, ma... mais... à la... Mais... À la manif mais... de flics, des gens mais... de la CGT, des mais... communistes historiques, quand il mais... a, c'était trop mais la manif mais de flics. toujours est-il que je sens aussi qu'il y a besoin, euh, à gauche, euh, d'avoir une parole claire sur ces sujets dont on a parlé et de pouvoir s'adresser à cet électorat populaire, euh, ouvrier, mais pas que, euh, jeune, euh, moins jeune, euh, qui, euh, qui ne se retrouve pas dans les candidats qui sont présents et à qui nous, nous pouvons parler. Si j'arrive à convaincre des gens qui ont voté à gauche mais qui ne veulent plus voter pour les candidats qu'ils ont eu jusqu'à maintenant, si j'arrive à convaincre... Des abstentionnistes. Si j'arrive à renforcer justement la gauche en allant chercher, euh, si je n'étais pas là, en gros, vers qui ils iraient. Et, et donc vers le monde, le Je, le souhaite, Joie pouvoir, enfin, je souhaite pouvoir justement renforcer euh, cette gauche qui conteste le capitalisme et qui ne cède rien à ses principes républicains. Léa. Moi, je voulais revenir justement sur l'identité du parti. Vous avez dit un mot qui, moi, me touche beaucoup, qui est féministe. Et il est vrai que, pour le coup, le Parti communiste français est un parti historiquement féministe, un des premiers partis à avoir présenté des femmes, alors qu'elles n'étaient même pas légalement. Enfin, euh, c'était illégal de présenter des femmes qui ont été, finalement été élues. Elles ne pouvaient pas ouais. voter, déjà. Déjà, ne pouvaient pas voter, mais en plus, ils avaient fait quand même le pari de présenter des femmes qui ont été élues, mais dont l'élection a été finalement annulée par le Conseil d'État. Peu importe, mais quand même, belle prouesse. Qu'est-ce que ça veut dire en 2022, un parti communiste féministe, dans le sens où aujourd'hui, après MeToo, tous, enfin, tous les partis politiques se disent plus ou moins féministes. Alors on a bien sûr la République en marche avec Emmanuel Macron qui se dit grand féministe, on a le, 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 les Verts qui, dans le statut sont quand même se considèrent comme un parti écoféministe donc c'est pas rien on a euh, voilà c'est une candidature d'Anne Hidalgo qui est féministe et qui l'affirme depuis très longtemps comment vous 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 distinguez aujourd'hui du Parti communiste français alors que vous aviez quand même cette capacité euh, historique à vraiment porter la voix des femmes et, et moi j'ai envie de savoir qu'est-ce que vous faites pour 2022 pour les femmes Fabien Roussel eh bien c'est de euh, la, la révolution féministe pour nous c'est du même niveau que la révolution écologique que nous devons mener. C'est-à-dire, c'est une, une révolution euh, totale. Ce n'est pas euh, des mesures, c'est un, un changement profond de société. Ce que l'on appelle à faire comme modification au changement de société pour euh, sauver le climat, okay. c'est les mêmes changements en profondeur que nous allons faire pour faire respecter l'égalité femmes-hommes, pour faire respecter la moitié de l'humanité. Mais... Et donc. Euh, euh, J'adore le slogan euh, des Espagnols, Hasta la victoria y la vulva siempre. Les Espagnols, ils sont très forts. <laughs> et on a, on a des ministres espagnols qui, qui ont décidé... Ils ont décidé, eux, euh, de, de mettre les moyens pour ça. Mm -hmm. Et quand je dis ça, quand je dis révolution et changement profond de la société, c'est pour faire reculer deux types de domination. Il y a la domination capitaliste qui pèse sur les hommes et sur les femmes mais plus fortement sur les femmes, beaucoup plus fortement sur les femmes. Et cette domination-là, que nous, communistes, traditionnellement, nous dénonçons, elle est absolument insupportable. Et donc l'égalité professionnelle, salariale, femme hommes elle doit être au cœur de toutes les politiques. Et moi, j'ai recensé toutes les lois qui ont été faites depuis Yvette euh, Roudy, euh, 14 lois, des beaux principes, et, eh, ça que dalle, rien. Il est temps que là, ça change radicalement. Mais il y a une deuxième forme de domination. Qu'il faut réussir à mettre en cause, c'est la domination patriarcale. Le patriarcat, il faut réussir à l'attaquer. C'est un changement de société complet. C'est un changement de mentalité complet qu'il faut savoir opérer. Mmh. Et ça, euh, Alors ça Ce euh, sont des objectifs, mais quelles sont, sont vos propositions De, de l'école euh, jusque mmh. dans l'entreprise, c'est les mentalités euh, qui doivent complètement changer. Quand nous disons, nous, par exemple, que pour lutter contre les violences sexuelles et sexistes, euh, c'est un milliard d'euros qu'il faut mettre sur la table. c'est pas qu'une question. De moyens, c'est derrière de la formation. C'est derrière, alors, je vais parler des policiers, mmh. justement. Quand je dis qu'il faut investir plus dans la protection et la sécurité, je pense notamment à ces 30 000 policiers que je réclame, euh, formés, présents et formés pour justement protéger, recueillir la parole des femmes. Quand euh, j'ai été y a visité, beaucoup de gens qui demande comment concrètement. J'ai été visiter une association qui euh, recueille des femmes qui ont subi des agressions. Ou des viols, ce qu'elles doivent faire est un véritable parcours du combattant pour aller voir le médecin euh, mmh. euh, légal, pour déposer plainte, pour etc. Ce que nous proposons, c'est que dans chaque département, dans chaque grande ville, mmh. il y ait un lieu unique où ces femmes qui ont subi des agressions, des maltraitances, puissent venir et faire tout le parcours qu'il faut faire dans le même lieu, dans le même moment, et être accueilli, recueilli, écouté, et pouvoir euh, euh, ne pas subir Alors, un véritable le, calvaire. Il y a les centres d'information pour les droits des femmes qui font déjà ça, et qui font ça très bien. Ce, ces lieux-là, il en existe. Ce sont des associations qui sont qu que ce soit état sont ah non, mais ce, ce sont des associations, mais ces associations ne permettent pas. Il n'y a pas dedans de, les lieux de, de l'État. Il euh, n'y a oui, pas Il n'y a, a pas la, y a pas la, la justice. Il n'y a pas la police. Il n'y a pas le psychologue. Il mm n'y -hmm. a pas. C'est ça que réclament les associations. C'est ce qu'elles m'ont demandé. Euh, de, de, de promouvoir parce que ça manque. Ça commence à se mettre en place en région parisienne, en Île-de-France. Et moi, qui suis un élu de province, du Nord, je vois bien comment on est très en retard chez nous. Mais on est très en retard dans l'accueil, dans, dans le recueil même de la plainte. Moi, j'ai vécu hein, un féminicide dans, dans ma circonscription, dans ma ville, il y a un an. On a fêté, on a, on a, on a célébré euh, l'anniversaire de la mort de cette institutrice qui avait porté plainte deux fois au commissariat. Et qui a été battue à mort, qui a trois enfants, euh, c'est insupportable. Et quand on vit ça euh, chez soi, eh bien, euh, moi je le vis comme euh, nous l'avons vécu nous, euh, comme un comment dire, une grande souffrance parce un que j'ai compris aussi. cette femme, un échec, ouais, c'est ça, parce que cette, cette, cette institutrice, on la connaissait, voilà. Et le, le gouvernement, elle, 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 elle ne nous en a pas parlé. Et moi je, je m'en veux. Je, comme pourquoi Mais qu'est-ce euh, que vous auriez pu faire ah ben moi je serais allé, euh, je serais allé chercher oui. le procureur je, par l'épaule, je serais allé chercher le commandant de police. Je... Donc il faut qu'un député.. En... Mais c'est pas, pas, pas normal mm -hmm. oui, oui, je... C'est pas normal je précise que le gouvernement annonce le déclenchement d'une enquête sur les conditions d'accueil des femmes au commissariat central de Montpellier suite de à une mobilisation sur Internet. La vie. Mais combien oui. de femmes Moi, cette institution n'aurait jamais dû perdre vendu. la vie, c'était il y a sûr. un an. Et aujourd'hui, alors oui, on va permettre d'aller recueillir la plainte chez elle. Mais j'espère en moins une chose c'est que les policiers qui vont aller recueillir les plaintes ne sont pas eux-mêmes. Euh, des auteurs de, de violences faire de la Chinese, race, parce que euh, Voilà, ouais, c'est pour ça. ça. Ah, non, bien ouais. sûr. Donc, euh, mais, mais recruter 30 000 policiers, recruter je, les je, policiers je dans, dans quelles conditions ouais. Aujourd'hui, on a des policiers qui votent selon le CVIPOF à plus de ouais. 70% pour le Rassemblement national. On va en recruter 30 000 de plus, des comme ça C'est eux qui vont des, prendre les plaintes. Comment on change euh, la police C'est pour ça que la question de la formation, j'ai parlé tout de suite de la formation, elle est déterminante. Et quand je parle de changement de société, de changement de mentalité, c'est une question de formation, c'est une question d'éducation. C'est pour ça que j'ai aussi parlé de l'école. C'est ce, euh, un discours complet qui doit être construit, qui, a, qui, qui est porté aujourd'hui par les féministes, qui est porté par des mouvements comme MeToo, qui est une révolution en soi, mmh. et qui fait que, euh, on, 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 heureusement que nos attitudes commencent à changer. Heureusement, mais pas par la force, pas par une volonté politique nationale, c'est par un mouvement. Et donc, moi, ce que je souhaite, c'est qu'un gouvernement, un président de la République et un gouvernement... Soit Ne soit pas à la traîne des mouvements féministes, ne soit pas euh, euh, parce qu'il y aurait eu euh, 91 féminicides de trois manies, qu'on soit à la tête. Est-ce que ce serait une priorité, typiquement, si vous arrivez au pouvoir demain C'est un changement de société, c'est une priorité, c'est une urgence. Je le mets au même niveau que la transition écologique. C'est le même bouleversement de société que l'on doit faire parce que ce sont des vies. Et c'est la moitié de l'humanité. D'ailleurs, les journalistes parle le, de transition au, féministe. Aujourd'hui, le, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé déposer une plainte contre Philippe Poutou, lui aussi candidat à l'élection présidentielle, qui a déclaré sur France Info que la police tuait. Fabien Roussel, est-ce que la police tue en France bah Darmanin, qu'est-ce qu'il peut déposer comme plainte bah, Dès que les syndicats de police lui demandent, il le fait. Et je vous ai posé une question. Est-ce est que, est que la police tue en France Alors écoutez, il y a euh, j'ai pas de chiffres précis, mais en tout cas il y a euh, l'IGPN qui est là pour euh, dire euh, il si, euh, y a eu euh, violence, bavure, euh, meurtre euh, ou pas. Euh, L'IGPN qui va être réformé suite au Beauvau ouais, de sécurité. Qui doit être réformé qui doit être formé complètement. Et qui va l'être Ce que nous appelons nous de nos voeux. Il y a des violences policières. Ok. Elles existent. J'ai en tête, et tout le monde en a parlé, quand ce jeune homme s'est fait tabasser en rentrant chez lui par quatre policiers qui lui sont tombés dessus. Michel Zéclair. Voilà. Ouais. Euh, les violences policières existent. Je ne vais pas citer tous les cas qui nous ont rassemblés dans la rue pour dénoncer ces violences. Euh, et euh, il faut être ferme. Il faut, elles ne doivent pas avoir lieu. Il y a dans la police euh, des hommes on femmes. va préciser parce Mais que là c'est vrai que vous vous étayez un petit peu est-ce qu'il est possible aujourd'hui de dire des choses qui normalement sont simples pour un militant ouvrier qui connaît l'histoire ouvrière qui sait à quel point la police a pu euh, tuer, maltraiter ou euh, arrêter blesser euh, des militants syndicaux, des, des, voilà, des militants, des militantes, des ouvriers, des ouvrières. Pendant, pendant des années, c'est évident pour un militant ouvrier de dire que ben oui, la police tue, la police est du côté de la bourgeoisie, la police euh, joue ce rôle-là dans l'appareil bourgeois de production. Aujourd'hui, ça devient dur de le dire. Alors, est-ce que parce que... Les syndicats de police font trop peur. Là, ce qui est en train d'arriver à Philippe Poutou, c'est simplement que les syndicats de police ont très mal pris une déclaration. Ils demandent à Darmanin de porter plainte, et Darmanin porte plainte. Aujourd'hui, vous avez peur aussi de vous mettre à dos les syndicats de police Non, pas du vous tout. Vous soutenez Philippe Poutou Non, militant parce que ouvrier, je, communiste. je discute avec... Euh, J'échange beaucoup avec les syndicats de police pour euh, prendre en compte euh, les difficultés dans lesquelles ils sont. Il y a des syndicats de police progressistes. Hein. Oui, mais est-ce que non. vous soutenez ouais. Philippe Priteau dans euh, cette histoire Je vais répondre à votre question. À la fête de l'UMA, j'ai été aussi interpellé oui. par des bah, jeunes... Normal, oui. non, mais par des jeunes communistes, policiers et gendarmes. Et il y a aussi, dans la police, des progressistes, des communistes... Oui, mais vous êtes marxiste. Qui me font, non, mais c'est pas le ça. le rôle structurel des institutions, quand me, etc., Et quand ils m'ont parlé, et qu'ils m'ont parlé de leur quotidien et de ce qu'ils vivent, j'ai réagi en disant, mais vous aussi, vous êtes les ouvriers de la sécurité et oui. vous en prenez plein la gueule. C'est une formule que vous avez beaucoup utilisée. Oui, mais c'est eux qui m'ont... Parce que quand je les ai écoutés, je les ai écoutés comme des, comme des, 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 des gens qui aiment ce qu'ils font et qui souffrent. Et qui souffrent. Mais pour répondre aussi à votre question, je sais aussi, et j'ai bien conscience, je l'ai vu, nous l'avons vu avec ce gouvernement, que quand il y a un gouvernement qui mène une politique particulièrement antisociale, dure, comme on l'a vu euh, avec la taxe carbone qui a provoqué les Gilets jaunes. Et la taxe carbone, c'était un déclencheur, mais il y avait la hausse de la CSG, il y avait euh, la totale. En 2018, en même temps qu'il faisait les cadeaux aux plus riches, suppression de l'ISF. Quand il y a un gouvernement aussi dur et aussi antisocial, il a besoin d'une hiérarchie qui va envoyer la police réprimer des mouvements sociaux. Et donc, c'est la matraque. Et donc, plus un gouvernement est antisocial et suscité. La colère euh, du peuple, des Français, c'est jamais le peuple entier hein, qui défile, hein. mais là, avec les Gilets, les gilets jaunes, on l'a vu quand même. Eh ben, il a envoyé les policiers réprimer ces mouvements. Et moi, là-dedans, ceux que j'ai dénoncés, d'ailleurs, je l'ai vu parce que moi aussi, j'en ai pris des coups quand j'étais dans les manifs. J'imagine, hein j'espère. <laughs> Je là, ne je sais, je le sais pas ouais, mais... je le souhaite à personne. <laughs> ah non mais bon. Je le souhaite à personne la vie de militant de gauche aussi. Ouais mais non. Non 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 non. Bah, non allez. parce que j'en veux moi à une hiérarchie qui euh, donne des ornes et là-dedans il y a des bleus, il y a des bleus, on prend des bleus mais il y a des bleus qui en donnent et euh, qui ne sont pas non plus contents de ce qu'ils font et qui en souffre aussi que la police, les gardiens de la paix ne sont pas dans leur mission et dans ce qu'ils doivent faire. Et il faut aussi entendre ça. D'ailleurs, je vais peut-être vous faire vous apprendre quelque chose. Mais euh, dans les années 70-80, euh, je crois que c'est dans, dans les années 70, le secrétaire général du SGP. Syndicat général des... Était policiers. un dirigeant du Parti communiste français. Mais je sais très bien aussi que les communistes ont fait en sorte, et après la guerre, qu'il y ait de plus en plus de communistes dans la police, dans la gendarmerie, parce qu'il fallait reprendre parce que ce corps. -là, on a une, une vision aussi progressiste là, on a de perdu. la tranquillité publique. Sauf que là, on, on a, a perdu, une vision ça. progressiste de la paix civile, de la paix sociale. est ce que nous voulons, nous, ce sont des gardiens oui, de la paix. Ce que oui, nous mais voulons, mais... c'est assurer la tranquillité publique de tous. La tranquillité, oui, la sécurité moi, là, est un droit fondamental. Je ne parle pas d'idées, etc ou de grands principes, je parle de rapport, rapport de force concrets, La police aujourd'hui, vous avez dit, elle est au service aussi d'une élite politique, enfin de, de, du pouvoir politique qui va l'utiliser pour réprimer, etc. Donc on peut blâmer le pouvoir et la chaîne de commandement à la limite, mais pas les ouvriers de la sécurité. C'est un peu ce que vous avez dit. Mais aujourd'hui, la police, dans une certaine mesure, a pris un peu son autonomie, avec des syndicats qui sont en mesure de peser pour que Darmanin porte plainte quand ils ont décidé de porter plainte, des syndicats qui poussent toujours plus loin leurs revendications, qui font peur, qui terrorisent, qui terrorisent les élus. Sûr. Et vous mais, y compris, j'imagine. Mais, mais vous avez pas envie mais, de vous Mais c'est pour ça qu'on qu doit être euh, très exigeant, intraitable sur euh, la manière dont la police exerce ses missions, exigeant sur le rôle que la police elle doit mais là, avoir. Il faut même les convenir, De, de protection, de sécurité, de tranquillité publique. Et, et, et il y a des syndicats mais on peut qui peut les accompagnent. D'ailleurs, regardez comment ils ont. Moi, ce qui m'énerve, c'est que la droite et l'extrême droite donnent des leçons à la gauche sur la, la, la sécurité, parce que j'allais dire un gros mot. Ils, façon, ont, quand lui, même, ils, ont, ils ont quand même, ils l'ont, ils l'ont quand même, ils l'ont quand même. Cassé quoi. C'est eux qui... c'est Sarkozy qui a supprimé 13000 000 postes de police. C'est l'extrême droite qui dit la police. On va faire des polices municipales. On va laisser les villages s'occuper de la sécurité et on va même autoriser les villes à faire de la police privée, des milices. Et c'est eux qui disent à la gauche vous vous êtes la gauche, vous n'avez pas le droit d'en parler. Vous mais êtes je nul. bien mais, mais, je vous mais parle merde. Pas de Sarkozy, moi. Enfin, moi je veux. Si demain je suis président de la République, je vais faire quoi J'ai plus de policiers, plus de policiers. C'est une des différences avec Mélenchon. Lui il a dit les policiers c'est des factieux. Je ne dis pas ça justement. J'ai du respect. J'ai du respect justement pour avoir dans notre pays. Mais quand ils disent le gardiens, problème de la police, c'est la justice. Des, des gardiens. Non 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 non. Oh si, ça c'est un syndicat de police qui a dit ça. Alliance que je n'ai pas reçu. que je n'ai pas reçu. Hum. et qui remet en cause les principes de la République. Ah, J'ai reçu, mais oui, le ah, non, syndicat Alliance. Okay, donc on fait le tri. Mais je ne fais pas, je ne fais pas d'amalgame. J'ai trop de respect pour la profession et les missions qu'ils exercent et l'utilité qu'ils devraient avoir, qu'ils doivent avoir dans notre pays. J'en connais tellement autour de moi qui se plaignent et qui m'en parlent depuis, justement, que j'ai montré que j'étais à leur écoute. Mais il y a des militants bien, pour qui c'est pas clair. Mais, hein. Cette histoire mais de bien... Fabien Roussel qui va mais, au mais, rassemblement mais, 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 où mais... on entend ça au micro, très fort, applaudi, etc. Que ce soit alliance, pas alliance, il voit Fabien Roussel à la manif de flics qui demande, qui dit que le problème de la police, c'est la justice. Mais j'étais justement... J'étais d'abord. Pourquoi j'y suis allé parce que, euh, parce que. C'était une erreur. Parce qu'une semaine avant. Non, 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 non. Non, non, c'était pas une erreur. Je regrette pas. Une semaine avant, c'est le commandant de police de Saint-Amand-les-Eaux, de chez moi. Il venait d'y avoir ces deux drames coup sur coup de deux policiers qui avaient été tués, coup sur coup. Et ça avait profondément marqué l'ensemble de, des forces de sécurité intérieure, police, gendarmerie. Ça avait ébranlé tout le monde. Ce commandant me dit Monsieur Roussel, il y a une grande marche qui s'organise. On est tous touchés. Vous savez, même nous. Même nous, à Saint-Amand, on va y aller. Ah, le truc, les mecs, ils font jamais de politique, tout ça. Même nous, on va y aller. Ça serait bien que vous soyez là aussi. On a besoin de savoir que notre député, il est à nos côtés, parce qu'en ce moment, c'est dur. J'y suis allé d'abord pour ça. Je me retrouve dans un rassemblement où je vois l'ensemble des syndicats de police, dont la CFDT mmh. et le syndicat Alliance, qui fait des déclarations intolérables. Et forcément, Qu'est-ce qu'on voit sur BFM et les chaînes d'infos en boucle Alliance, alliance, alliance. Tout ce qu'on pu dire les autres syndicats. On voit Olivier Juste. Aussi, qui dit droit de regard. Juste. Ouais, mais, oui. Et d'ailleurs, il a dû dire euh, j'ai fait une dérive, c'est pas bien. Ouais. Donc lui, il a dû oui, dire boulette. Mais les autres syndicats, dont euh, euh, la CFDT, qui a tenu des propos mmh. très justes. Euh, on ne les a pas entendus. Oui, et pourtant, eux, quand ils disent euh, Nous voulons travailler avec la justice, nous devons travailler ensemble, nous sommes frères, nous avons besoin de plus de moyens et pour la justice et pour la police. Et quand le lendemain de, ce, de cette manif, j'ai reçu un mail de, re, de remerciement de plusieurs syndicats, dont eux. J'ai reçu le syndicat des commissaires de police qui m'ont dit Nous, monsieur Roussel, on travaille beaucoup avec les maires communistes et on sait. Que les maires communistes justement sont très soucieux de la tranquillité publique, ouais. qui se battent pour qu'on ferme pas un commissariat de police, parce que ils en ont besoin pour leur population. Nous, dans le bassin minier, tous les commissariats qui ont été fermés dans ce territoire que je connais bien, où le taux de pauvreté est élevé, on nous abandonne. C'est l'État qui se recule, qui recule partout, et on nous a fermé Mais combien je, de commissariats. Juste une dernière chose. Dans la on, le, on, on va fermer le, le sujet parce que ça fait un bout de temps qu'on parle. Juste une dernière chose, c'est qu'il y a beaucoup de luttes ces derniers mois, dans laquelle la jeunesse s'est beaucoup investie, que ce soit des luttes féministes, antiracistes, les gilets jaunes, le mouvement écolo. Le point commun entre toutes ces luttes, c'est que le gouvernement leur a envoyé la police, c'est qu'ils ont essuyé la violence policière, c'est que des gens qui n'avaient pas une conscience très développée sur ces questions-là, ont percuté la question policière alors qu'ils s'y attendaient pas nécessairement de plein fouet, et ont du coup aujourd'hui un sentiment Plutôt euh, voilà, euh, mitigé sur ces questions. Vous avez raison. Et donc, voir en effet le, le, le dirigeant a... du Parti communiste aller voir. Mais vous, vous avez que raison. Mais dans les repas de famille, on, de les les se repas se de famille on a pu trouver des gens qui étaient sur les ronds-points. Mmh. Et de l'autre côté, le tonton, le cousin, euh, qui était aussi euh, euh, en policier, puis qui était dans les manifs, et ils étaient malheureux. Et malheureux d'être opposés dans l'affrontement. Mais c'est comme je le disais tout à l'heure, quand il y a un gouvernement très dur, très antisocial, qui fait des cadeaux aux riches, et qui demande euh, à la grande majorité de la population de, de, de serrer un cran à la ceinture, il a besoin d'envoyer ses policiers au front. Et donc, ça crée de l'affrontement et de la division. Moi, je souhaite le rassemblement. Je souhaite vraiment rassembler tout le monde et arrêter, euh, justement, ces divisions. Gaspard. Je peux enlever ma veste Oui, bien sûr, allez-y, allez-y. Allez <laughs> Parce qu'il fait chaud ici. Vas-y, bon. Gaspard, vas-y. Fabien Roussel, peut-être pour revenir un peu sur, 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 sur votre position euh, plus globale et votre positionnement et, et, en parlant un petit peu de stratégie politique, euh, vous tendez publiquement la main, on en a parlé un peu avant... Euh, euh, avant de parler de, de votre position sur la police, euh, vous tendez la main à Arnaud Montebourg, l'ancien ministre de l'économie, le plus entrepreneur, start-up friendly euh, des socialistes. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Alexis Corbière, d'ailleurs, l'a fait aussi euh, ce matin. Vous a tendu également la main. Euh, Est-ce que, en quoi, Arnaud Montebourg est proche de la ligne du PCF bon, Proche, disons que <laughs> sur beaucoup de thématiques, on se retrouve plus quoi. Euh, et quel par exemple le euh, productivisme bah, Justement ou... là, oh, on pas le productivisme. Allez, ça faut... Non, Je sais pas, dites-moi, c'est la, la, la réindustrialisation et, et la souveraineté économique. Euh, c'est euh, sur cette question énergétique aussi. Euh, et, euh, pff, euh, et ça, ça fait, ça, ça, euh, ça fait moins de points de clivage. Et puis, bon, moi, je lui ai dit à Arnaud j'ai dit, bon, euh, nous, on est des forces politiques, chacun, euh, on est des forces politiques différentes. La social-démocratie, le Parti socialiste, c'est la social-démocratie. Ils remettent pas en cause le marché, et les traités européens. Les verts, c'est le capitalisme vert. Le problème dans le capitalisme vert, c'est pas la couleur, c'est le capitalisme. Mais ils remettent pas en cause le capitalisme, les verts. Mais ils ont leur logique. Et donc, je ne leur dénie pas le droit de se, de se présenter comme le PS. Les Insoumis, Mélenchon, il a sa ligne, c'est un parti. Mais j'ai dit à Arnaud, mais toi, pourquoi tu te présentes Il vous a répondu, et toi alors je dis non parce que moi moi non mais nous on a fait un choix, nous sommes une force politique, on a fait un choix Oui, lui il y a un côté frontirreur, ça il revient en politique je lui dis, Mais oui, mais toi il y a qui avec toi enfin Arnaud Qu'attendez-vous tous les deux alors Qu'attendez-vous Qu'est-ce qu'il attend pour pas vous rejoindre Qu'attendez-vous Qui viennent sur ce plateau nous dire pourquoi ils ne pas Écoute, faisons un bout de chemin ensemble parce que ce qui est sûr c'est que moi de toute façon j'irai au bout. Moi je viens pas faire un petit tour. Vous je ne viens pas faire un petit tour parce que j'ai un projet pour la France. Vous ne vous rallierez personne Non, parce que j'y crois, parce que j'ai un projet pour la France, parce que dans cette présidentielle, il y a deux tours. Il y a un tour où on doit euh, demander aux Français de choisir leur, leur projet, et au second tour, on se rassemble. Et je, et, et je veux défendre cet enjeu hein, euh, ouais. démocratique. Mais ce que je souhaite, c'est qu'il y ait un candidat de gauche qui arrive à, 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 à percer... Et à, et, à, et à arriver au second tour. Moi, je ne tire pas un, un, un trait dessus. Regardez comment c'est déjà bousculé l'élection présidentielle. Alors, vous me direz, ça bouscule pas dans le bon sens. Mais enfin, euh, euh, déjà le duo Macron-Le Pen. Alors moi, c'est pendant des semaines quand je me suis déclaré candidat, on m'a dit, vous êtes fou. C'est le duo Macron-Le Pen. C'est une horreur. Il y a même des sondages de second tour. Qui va gagner entre Macron et Le Pen Bah aujourd'hui, c'est ouais, ouais, c'est terminé. Il y en a déjà une qui est plus là au second tour. Bon, le, rempla le remplaçant, c'est pas mieux. Dépend son âge, mais mais oui. tout ça pour dire que euh, ce que j'ai retenu dans de, de, de ces dernières années, c'est que les Français, ils aiment vraiment pas qu'on leur dise ce qu'il faut, ce qu'il faut voter. Alors ça, ils aiment pas. Et ils aimeraient bien euh, qu'on leur laisse le choix. Et ils aiment bien créer l'événement, les Français. Ils aiment bien faire la surprise. Alors. Vous avez fait la surprise. Alors, on en est qu'au début. S'il vous... ah bah, ah ben, y a euh... un événement dans, ce, dans cette présidentielle, c'est pas que, euh, que le Parti communiste y présente un candidat, c'est que le Parti communiste il commence à donner dans les sondages d'être présent au second tour. Je peux vous dire que là, ah, dans les Chaumières, alors là, ça va être comme avec Giscard en 75, ils vont dire les chars soviétiques vont arriver aux Champs-Élysées, sauf qu'il n'y a plus du RSS. Donc, ils ne pourront plus le dire. Mais oh, ils vont dire les chars chinois, là, moins, ce ce serait, ouais, là, et c'est pour moi Ce serait une remontée assez impressionnante. Mais enfin, ça, ce serait. Ça, ça la Et là vraiment voilà. on se dirait, ça va changer là. Là on va parler autre chose que des prénoms, on va parler du pognon. Vous avez critiqué également euh, le choix de Jean-Luc Mélenchon de débattre avec Eric Zemmour. Là, vous venez de dire que vous irez au bout. Donc, si je comprends bien, vous ne débattrez pas avec l'extrême droite euh, de manière générale, euh, si on est, si vous êtes invité sur un plateau de télévision avec tous les autres candidats, comme on a pu le voir en 2017. Alors, je, je précise, je précise pour répondre directement à votre question, j'ai dit que je ne, je ne voulais pas faire de la publicité à quelqu'un qui n'est pas candidat. Ah, c'est juste le problème de candidat. Et qui donc, est... le de jour, monde. vous avez dit, moi, je ne débattrai je pas. Je ne avec débattrai euh... pas. Avec Lui, il lors de votre meeting à la fête de l'UMA. Vous avez dit Moi, je ne débattrai non, pas avec je... eux, je n'ai rien à faire avec eux, je n'ai rien à parler avec eux. Je ne débattrai pas avec lui, avec eux là en ce moment. Si demain il y a un débat qui est organisé euh, avec les candidats qui ont leurs 500 euh, signatures euh, déclarées officielles, etc., je vais pas dire ah, Je viens pas parce que alors, je me présenterai sur la ligne euh, et je débattrai avec tout le monde, mais euh, <laughs> je n'ai pas oh, enfin. Vous ne débattrez euh, pas avec Macron Faire un. Ah, ben bah, si, si bah, Il n'est ah pas bah, candidat ah, actuellement. Ah, af, af, ah, mais... Le jour où il sera candidat, <laughs> je débattrai où, avec lui. Vous avez <laughs> débattu avec Valérie mais, Pécresse, laquelle est positionnée sur la question. Mais, mais très bien, je ne me vois pas, pro... même s'il était candidat, ou elle, elle l'est. Je ne vois pas, je, je, je pas d'intérêt à faire de débat en, entre nous deux. Je préfère que chacun, on présente nos proje, notre projet pour la France et les Français décident. Mais on a tellement de différences que euh, ça fait euh, autopromo chacun, quoi. Je ne souhaite pas ça. ça c'est des matchs de boxe. Ce c'est vraiment, la, la, vraiment pas la belle image de la politique. Et justement, ce débat qu'il y a eu avec euh, euh, Jean-Luc Mélenchon et, et le petit pétainiste, euh, bah, le résultat des courses, c'est que ça a lancé euh, sa campagne. Mais on sait pas si c'est euh, ça. Moi. À l'autre. Et, et Mélenchon, euh, dans les sondages, est-ce que ça fait En tout cas, ça ne euh, euh, l'a pas fait dégringoler, ça, ça c'est clair. Voilà. Moi, je voulais revenir quand même sur cette plus. potentielle alliance. Euh, enfin, en tout cas, cette main tendue vers Arnaud Montebourg, euh, Montebourg j'avoue que ça me fascine. Parce que moi, j'aurais jamais imaginé qu'un jour, un candidat du PCF allait tendre la main à ce qui représente un peu la bourgeoisie de gauche. Parce qu'on ne va pas se mentir. <laughs> il est chef d'entreprise. Bah, oui, tout à ah, fait. Mais je veux dire, il habite dans le centre de Paris. C'est pas le Pire du PS. Hein. Euh, J'ai jamais dit que c'était pire. <laughs> c il n'en demeure pas moins qu'il vit dans le centre de Paris, qu'il a quand même des habitudes de bourgeois, ça, on va pas se mentir. Comment sociologiquement <laughs> vous vendez ça à votre électorat Je <laughs> lui <Parce que rire> qui pas est pas eh, eh, On a hâte de contre, le recevoir un moment de bord. Par contre, vous lui direz, vous euh, parle, non, lui dire. on, on, sera, on sera très aimable avec lui, mais il n'en demeure pas, <laughs> pas moins que c'est une réalité. Comment sociologiquement vous vendez ça à vos électeurs il a un habitus... Et, de... en plus, et, en plus, et en plus, vous insistez sur le fait que vous voulez aller chercher cet électorat, cet électorat finalement prolétaire du travail. Bah en tout cas, Comment vous faites cas ça avec C'était pour répondre qu'il est hors de question que je retire ma candidature pour le soutenir. Ça, ça n'existe pas. D'accord, ok. Mais par exemple, enfin, je veux dire, qu ça, seraient ça les, n quelles pas. seraient les, les, les conditions, quels seraient les termes de votre contrat Mais, moi, présidentiel J'ai présenté mon, mon programme. Mes premières déclarations, d'ailleurs, c'était le pacte pour la jeunesse et le pacte pour l'emploi et le pouvoir d'achat le 9 mai au soir, quand j'étais investi. Et je souhaite rester sur cette ligne. Depuis, on a, euh, euh, comment dire, avancé sur d'autres priorités. Et euh, moi, j'appelle au rassemblement derrière cette France des jours heureux à laquelle j'aspire. Et donc, je l'ai dit à, à Arnaud Montebourg, mais je le dis à tous les autres, mais je voudrais d'abord m'adresser aux Français. Et donc... Euh, Et vous ne pensez pas euh, que ça va vous mettre... Vous ne vous tirez pas une balle bah, dans le pied Mais je... je euh, d'abord, j'ai dit ça parce qu'on m'a posé la question. J'ai dit que parmi tous les candidats, c'est peut-être celui-là avec lequel il y a le moins de différence dans le projet. Voilà. Mais je, je, l'enjeu, c'est pas de regarder des alliances... Enfin, de d'hommes, de, d'appareils, c'est de convaincre les Français. Il y en a tellement qui savent pas aujourd'hui euh, encore Roussel, voter. Et je pense que vous, vous en êtes conscient autant que moi, euh, certainement beaucoup mieux que moi d'ailleurs. Aujourd'hui, les Françaises et les Français s'intéressent au projet des candidats, ça c'est certain, mais il y a quand même une question d'offre politique. Et de la personnalité, notamment sur une élection telle que l'élection présidentielle, reste fondamentale. Comment est-ce que vous pouvez composer avec ça et dire à votre électorat, tout en ayant vraisemblablement un, un programme très ancré à gauche, comme vous, le, comme vous le dites, en proposant cette personne qui est quand même une, un symbole de, de la gauche de, gouvern... de gouvernement, de Même la pas gauche socialiste C'est pas, pas, euh, pas du tout la question. C'est pas du tout la question. Je ne suis pas là pour euh, dire si je l'aime ou pas. Et donc je, 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 je ne répondrai pas à cette question. Ce que je veux dire, c'est que je trouve ça antinomique, en fait. Je trouve ça vraiment antinomique, sincèrement. Okay. et J'ai du mal à imaginer comment vous... vous pouvez convaincre vos électeurs de voter pour vous si une telle personnalité, finalement, rejoint l'aventure mais... communiste je pense qu'il y a besoin de plusieurs candidatures à gauche parce que nous sommes divers différents nous avons des projets différents je l'ai dit tout à l'heure donc euh, cette diversité euh, euh, elle est importante dans notre débat démocratique on n'est pas les états unis nous les états unis c'est républicains démocrates moi euh, si j'écoutais tout le monde il n'y aurait qu'un candidat de gauche et un candidat de droite bah c'est les États-Unis. Je pense qu'en France, euh, on a. C'est Plus compliqué on, que ça quand même. Excusez-moi, bah, mais vous sommes un peu trop. Mais non, mais un parce que la, trop, la question à les poser. Écoutez, non, mais ce mais, il bah, se vous, dit... y avait quand même des, des primaires. C'était assez on intéressant. Il dit... y, y, y a des lignes aussi au sein des partis. Les démocrates, je dis, vous dis, vous prenez un Bernie Sanders, vous prenez bah... un Joe Biden, c'est pas les mêmes démocrates. Il bah, y, y en a dans non, le chat qui font vrai... remarquer que l'intérêt des États-Unis, c'est qu'ils font des primaires. À gauche. Ouais. Et, et résultat, et résultat euh, bah, on a euh, Joe Biden. Oui, bien sûr, mais. Et puis voilà quoi. J'ai. Une dernière question pour vous, Fabien Roussel. Le, go... <laughs> le gouvernement vient d'abandonner un bon... un bon alors... une, une mesure qui avait été promise par Emmanuel Macron qui s'appelait le revenu d'engagement pour les jeunes, euh, qui aurait pu prendre la forme d'un chèque versé chaque mois aux jeunes pour faire face à la précarité. Vous, si vous devenez président de la République, euh, après la remontada, du coup, euh, vous. Ça sera vous mettez... la... si, si, si Arnaud vient, ça sera la remontada 2. La, rem... <laughs> okay. la, remonte et donc, la remonte à deux, euh, quand vous aurez remonté tous les deux jusqu'à l'Elysée, est-ce que vous mettez en hâte. place un RSA pour les jeunes euh, Alors, c'est une revendication des organisations de jeunesse que ceux qui ont moins de 25 ans et qui sont sortis euh, du, euh, du, du circuit scolaire aient accès au RSA parce que c'est une injustice trop grande. Et donc, les jeunes communistes, notamment, soutiennent cette proposition aussi. Euh, je préfère. Je préfère. Alors, il ouais. faut répondre à cette injustice et donc oui, il doit pouvoir avoir accès à une aide tant que euh, entre la, la fin des études et le boulot, s'ils ont moins de 25 ans, c'est pas juste qu'ils n'aient droit à rien. D'accord. C'est pas juste. Mais vous préférez quoi Du boulot. Je préfère mettre le paquet pour que les 800 jeunes, les 800 000 jeunes qui sortent de l'école tous les ans, nous puissions leur garantir un emploi, un salaire, un, un, une forme ou une formation. Pas De la précarité, on fait des emplois pas jeunes. du CDD, pas du CDD, euh, et, euh, et, et à la hauteur de leur diplôme. Et quand j'en ai parlé avec les organisations de jeunesse, j'aurais dit est-ce qu'il faut créer un emploi, un contrat spécifique Et on dit surtout pas on veut pas, on veut rester dans le droit ah commun, oui, non, bien sûr. Mmh. Et mmh. ils y sont très attachés. Oui. Et donc, la vraie question, c'est toujours des trucs au rabais qu'on propose aux jeunes. exactement. Mmh. La vraie question, c'est de créer dans notre pays un vaste mouvement de création d'emplois. Il faut créer des emplois. Il y a tellement de gisements d'emplois à créer et les réserver en priorité à ces 800 000 jeunes qui sont, pour moi, enfin, investir dans la jeunesse, c'est investir dans, dans, dans l'avenir du pays. Tellement on a, on a de, de boulots, de défis à relever. Et donc, que ce soit, par exemple, pour faire la transition féministe, que ce soit pour faire la transition écologique, que ce soit pour réparer nos services publics, vous savez que dans la santé, c'est au moins 300 000 emplois à créer. EHPAD, aide à domicile, hôpitaux, déserts médicaux, c'est 300 000 emplois, mais à former et à créer sur 3-4 ans. Ce sont donc des gisements d'emplois énormes. Des emplois Ajout... publics Mais des emplois publics, bien oui, sûr. Oui, puis revaloriser les emplois. Des actuels, emplois publics. Hein, en emplois publics, on en est, nous, à 600 ou 700 000 emplois publics à créer quand on ajoute l'école, quand on ajoute la sécurité, la tranquillité publique. Mais je pense aussi aux éducateurs euh, pour les jeunes. Euh, je pense aux. C'est 600 à 700 000 emplois public à former et à créer, rien que dans le public. Ajoutez à ça la réindustrialisation du pays, le, le souhait de consommer, de produire en France ce que nous consommons en France. Dans l'agriculture, c'est 200 000 emplois d'ici 2030, 200 000 agriculteurs qu'il va falloir euh, former et donner envie de faire ce métier-là avec des exploitations à taille humaine. Bref... C'est moi... France 2030. Ben, non. Euh, <laughs> ouais mais c'est ouais, ouais, France 2030. En vrai, parce que quand on écoute <laughs> vrai, le France okay. 2030 de Macron, c'est 30 milliards pour faire des mini-projets, mmh. des mini-investissements, des mini-reacteurs, c'est la mini-France. C'est ouais. la mini-france. Fabien Roussel, on va s'arrêter là. Une dernière question, il reste plusieurs mois de campagne. On a compris que vous irez jusqu'au bout. Vous la sentez comment cette campagne au début, on en est qu'au début. Euh, moi, j'ai jusqu'au mois, jusqu mois de décembre, on va faire nous des réunions thématiques, des rencontres des jours heureux euh, pour présenter nos propositions sur plusieurs thématiques. J'ai fait l'alimentation, l'agriculture, la ruralité euh, à Clermont-Ferrand, enfin à Billon, euh, dans le Puy-de-Dôme. Je veux aller dans les territoires euh, ruraux, je veux pas être que à Paris. Euh, J'en ferai une sur, euh, sur l'emploi, le pouvoir d'achat. Et moi, je suis pour le droit universel au travail plutôt que le revenu universel. Voilà, je suis pour défendre le droit oui. au travail universel. Je ferai une, une rencontre sur l'écologie, j'en ferai une sur l'éducation, j'en ferai une sur la jeunesse. Bref, je veux pouvoir présenter notre pacte pour la France euh, aux Français à travers toutes ces, ces réunions thématiques. Et puis, je souhaite que on sorte du, du débat fourri dans lequel on est. C'est plus une campagne présidentielle, c'est une campagne pestilentielle dans laquelle on est aujourd'hui. Ah, ça pue, ça sent les là. égouts, c'est horrible. Vous et donc, qu que l'on en, en sorte, ouais, et ouais. que l'on parle des préoccupations des Français, parce que les sondages, euh, à part les sondages des candidats, quand on regarde les sondages de ce que les Français souhaitent euh, que l'on parle, ou que, dont on s'occupe, c'est pouvoir d'achat, c'est euh, santé, ce sont les, les, les deux tendances à la hausse. Et ces deux sujets-là sont, sont, sont déterminants et on en parle peu. Voilà. Merci beaucoup Fabien Roussel d'être venu vous exprimer sur le plateau de Backseat c'est la fin de cette deuxième partie de l'émission, ne bougez pas on fait une minute invitation. de pause, on se retrouve après pour la conclusion de cette émission, à tout de suite